Il est des villes comme des rêves. Tout ce qui est imaginable peut être rêvé. Mais le rêve le plus surprenant est un rébus qui dissimule un désir ou une peur, son contraire. Tu sais, les villes sont les cœurs des idées qu'elles engendrent, pour le meilleur et pour le pire. C'est toujours au milieu de leurs murs que naissent les idéologies et que se bâtissent les civilisations, pour s'éteindre et se reconstruire en un cycle sans fin, sur leurs propres cendres, autrement. Les villes sont de pure folie où nos désirs s'inscrivent et accumulent ainsi les traces du temps, petit à petit, lettre après lettre, comme un livre ouvert fait de terre. Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses. Les villes aussi se croient l'œuvre de l'esprit et du hasard, mais ni l'un ni l'autre ne suffit pour faire tenir debout leurs murs. Tu ne jouis pas d'une ville à cause de ses 7 ou 77 merveilles, mais de la réponse qu'elle apporte à une de tes questions. Tu te souviens de Hercilia ? Dans la favela, rien n'est très lisible. Les maisons s'imbriquent, les unes dans les autres, et les vies aussi. Mais pas vraiment, enfin c'est différent. Les êtres se touchent, leur musique se mélange, les choses se bousculent entre elles. Il ne fait jamais calme. Cela commença face à une carte du monde, devant laquelle il fallait bien choisir un lieu, une culture et un pays. Je devais mettre mon doigt sur la carte et y aller. Il n'y avait pas d'autre alternative. Nous avons voulu faire un film au Brésil. Au Brésil, car il y a là tellement d'histoires. Mais le film n'est pas une histoire, il est comme la vie, il suit le temps. Le temps que nous avons passé là, à écouter les gens parler et à vivre avec eux. Quand il a fallu monter les roches de Vidigal, on s'est dit qu'il faudrait les monter les uns sur les autres, comme les maisons dont les étages se mélangent, dont les vies s'entrecroisent et se superposent. Comme les calques des plans de l'architecte qu'il n'y a pas eu, des calques mal définis. Ma mère m'a dit qu'elle était arrivée au Brésil pour vous chercher. Elle dit qu'elle était arrivée en avion et qu'elle a aimé Rio tout de suite. C'est normal, c'est beau Rio. Moi aussi j'aime Rio. Je suis née à Rio. Et vivi muito tempo quando era minha avó, no Vidigal. Puis on était dans la rue avec ma mère et Brenda. Na Copacabana, conhece? Oui, et les images continuent à se mélanger, et les histoires aussi. Rio de Janeiro, ville sublime et infernale, je t'ai découverte un matin de janvier, à l'aéroport de Galeão, à 6h du matin. Rio, ville intégrée de peuple et traversée d'espoir, comme les lignes de bus longeant la mer sans s'arrêter du matin au soir. Les villes nous mangent et nous digèrent. Au mieux, elles nous déjectent sur un trottoir pas trop encombré. Rio, fleuve de janvier, déploiement lumineux et moqueur de ces montagnes ainsi posées, autour de la baie du Guanabara. Rio, c'est toi que j'ai choisi pour y construire ma vie, avec ma fille que tu m'as donnée, sur un trottoir de Copacabana. De toute façon, il fallait bien qu'on filme ces petits magasins à la nuit, comme nous l'avions décidé avec toi. J'ai demandé si on pouvait filmer, puis tout s'est passé très vite. J'ai eu très peur. Peur de quoi ? C'est-à-dire que c'est difficile à raconter. J'ai eu tellement peur. Je voulais seulement filmer les petits magasins la nuit. Rio, Centro, Rocinha, Botafogo, partout bat dans son cœur des lignes de démarcation. Des frontières internes, des zones incertaines, des lieux de lutte urbaine, de peur et de joie de vivre. Dans la favela, j'ai rencontré Picasso. Non, enfin, c'est l'image de Picasso. Elle était accrochée sur les murs du théâtre de Noche de Moro. C'est le théâtre de la favela de Vidigal, où j'ai voulu construire mon projet sur les droits humains.
Rio de Janeiro est une des grandes métropoles latino-américaines, dont 3 millions de personnes habitent dans les quartiers pauvres appelés moros ou favelas. La favela est un labyrinthe de ruelles dont les structures et les fonctions s'imbriquent les unes dans les autres. À l'inverse de la ville moderne héritée des États-Unis avec ses zones et ses logiques fonctionnelles, la favela est comme un rhizome. Elle est à entrées multiples. La favela abrite une richesse de liens humains qu'aucun logement social n'est encore arrivé à imaginer. Noémia va bientôt déménager. Tout le monde se mettra au travail pour lui construire sa maison, plus haut, dans la montagne. En attendant, elle continue d'arroser ses plantes, accrochées dans des boîtes de conserve. Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1898, la population pauvre migra dans les grandes bâtisses abandonnées des centres-villes. Vers le début du XXe siècle, le maire de Rio redessina la ville avec les grands boulevards d'aujourd'hui, sans penser aux conséquences sociales et urbaines qui allaient se développer ensuite. Chassée de ses squats, la population pauvre se réfugiait dans les montagnes et les plaines qui bordent Rio. En toute illégalité, ils ont bâti cette architecture vernaculaire, que pour ma part j'appelle une architecture du Moyen-Âge parce que sa typologie est totalement arbitraire et dépend de l'impulsion et des nécessités de chacun. C'est seulement depuis 1993 que la ville a instauré un programme, Favela Bairro, ce qui veut dire Favela Quartier. Ce programme s'occupe de la construction des infrastructures élémentaires de la favela comme l'eau, l'égout, les rues, l'électricité, la gestion des poubelles, afin de pouvoir créer les conditions nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. Les habitants ont maintenant une adresse, car sans adresse on ne peut pas être citoyen. Alors que Positano, Fès ou Lisbonne sont considérés comme du patrimoine universel, la favela, qui est un sublime agencement urbain, est encore considérée comme un fléau social et les populations d'en haut et d'en bas se côtoient mais ne se mélangent pas.
Dans la favela, il y a une force de vie extraordinaire. Un élan vital qui transperce les sens, qui vaut la peine d'être respecté et même analysé, pour y apprendre ce que nos sociétés ont oublié. J'ai voulu lancer le défi que l'art pouvait s'installer dans les favelas, que les artistes pouvaient s'intégrer dans ces milieux comme dans n'importe quel autre, et ainsi créer des passerelles entre la ville formelle, la favela, les élites intellectuelles, le milieu de l'art et le monde politique. Depuis 84 ans, Leni, fille d'un Espagnol et d'une Allemande, vit dans la favela au milieu de ses chiens, poules, canards et tourterelles. Louisin est professeur de musculation le jour, et la nuit, il assure la sécurité d'un grand hôtel de Rio. Parfois, son regard se voile quand il repense à sa famille, tuée l'année dernière dans un éboulement de terrain. Chico Chorin vit sous une pierre, en haut de la montagne. Il fait humide. Son fourneau fait de bidons d'essence longe la planche qui lui sert de lit. Et quand on lui demande où est-ce qu'il trouve son eau, il dit « Caiu do céu, foi Deus que me deu ?» Elle tombe du ciel, c'est Dieu qui me la donne. Manuel vit seul sur l'île en face de Vidigal. Il vient vendre son poisson deux fois par semaine. Un jour, il trouva un pigeon voyageur qu'il soigna jour et nuit. Quand le pigeon mourut, il l'enterra sous des pierres et garda le message qu'il avait à la patte comme un trésor. Tous les gens de l'église fabriquent du pain. Et Roberto le vend depuis 18 ans en chantonnant « Pão de batata, pão de cenoura, saiu agora, um real, um real !» Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Olha eu aqui de novo, cantando. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, mostrando. Como se deve chachar. Vem com a morena linda vestida de gira. Você é a mais bonita desse lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com a alegria. Seja dito, seja dito, eu tô aqui para ensinar. Chachado, 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 eu tô aqui para ensinar. Eu aqui de novo. Installer dans la favela des projets artistiques sur les droits humains, c'est donner une arme pour la démocratie à une population qui en est restée écartée. J'aimerais nous rappeler ce petit texte écrit en 1789. C'est le préambule de la Déclaration des droits humains de la Révolution française. Et je vous pose la question. Sa validité n'est-elle pas aussi actuelle aujourd'hui qu'il y a deux siècles, si ce n'est plus encore? L'ignorance, l'oubli et le mépris des droits humains est la seule cause des malheurs des peuples et de la corruption des gouvernements. Talvez sabem, a Praça Niemeyer é o primeiro local de um conjunto de 30 obras que serão feitas e que visam questionar as atuais condições dos direitos humanos. Qual é o caminho dos direitos humanos? Este projeto é uma continuação também dos 6 projetos que já são construídos em Paris, Bruxelas, Lisboa, Haifa, Estocolmo e Berlim. Agora, porra! Bora, bora, bora!
da guarda viraremos pivete. Invadiremos tudo! Ruas, casas, governos! Abriremos guerra ao planeta Terra! Com um exército invisível de pequenos soldados! Invadiremos tudo por todos os lados! Com a ação invisível de soldados alados! Os seres humanos perceberão atentos que seu maior engano foi seu maior tormento. Abandonar crianças é assassinar o tempo, é matar a esperança e deixar o futuro ao enredo. L'oubli et le mépris des droits humains est la seule cause des malheurs des peuples et de la corruption des gouvernements.